العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه المسلمين الشرفة، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ سير شيخ فخير، les questions quant au sujet de l'âge auquel l'enfant doit commencer à jeûner sont nombreuses. L'enfant, on lui conseille de jeûner à partir du même âge à peu près que l'âge auquel on lui conseille de faire la prière, c'est-à-dire à partir de l'âge de 7 ans, 8 ans, jusqu'à 10 ans, même s'il y a une divergence également entre les écoles, certains disant qu'on n'a pas à le faire et qu'on a au contraire à lui apprendre et que c'est à lui de voir. De toute façon, ça se fait par imitation. Lorsque l'enfant a des parents qui jeûnent, il a souvent envie de jeûner. Et dans les temps d'été où les jours sont trop longs, eh bien, mieux vaut y aller crescendo par pédagogie, car c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans le hadith de Aïcha sallallahu anha. يا عائشة ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، jamais il ne manque de douceur dans quelque action que ce soit sans que celle-ci soit couronnée d'échec. وما وجد الرفق في شيء إلا زانه، et jamais il n'y a eu de douceur dans une chose, de la douceur dans une chose sans que celle-ci soit couronnée de succès. Donc mieux vaut y aller petit à petit, de manière pédagogique, ne pas imposer à l'enfant de jeûner, car de toute façon nous savons très bien que il n'est obligatoire de jeûner qu'à une personne qui est déjà, physiquement complet, c'est-à-dire qui a atteint l'âge de ce qu'on appelle « taklif », donc l'âge de la raison, c'est-à-dire qu'il est en mesure de distinguer le bien du mal et le vrai du faux, et les fuqaha, de ce point de vue-là, ont divergé sur l'âge exact. Mais on sait très bien que beaucoup disent que dès lors que le garçon fait un rêve érotique et la fille voit ses menstrues, là il est obligatoire, bien entendu, que nous commencions à jeûner. En tout cas, c'est l'avis d'une grande majorité de savants musulmans. Quant au fait de forcer, non, c'est pas une bonne méthode, même si certains avis de savants le disent. Mais on va plutôt tendre vers ceux qui disent le contraire, afin bien entendu de vivre dans cette facilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé d'adopter dans notre vie. Aïcha sallallahu anha nous dit « Ma khuyra rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa akhtara aysarahuma ma lam yakun ithman ou qati'ata rahm » Jamais il n'a été demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'opter entre deux solutions sans qu'il choisisse la plus facile, à condition que celle-ci ne conduise pas à la rupture d'une famille ou à un péché. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.